président, directeur et mon cadre dans le ministère des Affaires sociales. Distingué invité. Je vous dis, c'est un privilège pour moi de venir au CAI que je fréquentais depuis longtemps ou depuis, ça fait quelques années, j'ai été ministre des Affaires sociales. C'est un privilège que nous avons ensemble, mais aussi c'est une occasion pour nous dire, nous qui collaborons avec nous, merci. Et puis pour une bonne pensée particulière pour nous qui choisissons comme Premier ministre et qui demandent de former un gouvernement. Nous avons tous nous mettons nous debout et nous observons un monde européen à la mémoire du président Jovenel Moïse. Situation globale pas trop bon. 60% de monde qui vivent dans le pays ça, y a vivent dans l'état de pauvreté d'après la Banque mondiale. Nous tous, nous avons misère en pile dans la rue. Nous avons misère avec monde qui est handicapé comme des êtres de plus en plus abandonnés dans la rue. L'État gagne un défi devant. Défi gagnant, c'est rétablir l'autorité, rétablir l'autorité de l'État, mais aussi by service, en particulier à monde qui est plus démuni, monde qui est plus fragile. Ministère ça a un rôle particulier, il a un rôle normatif, c'est-à-dire qui j'aime bien des deux faits, mais aussi il a un rôle pour rencontrer même monde qui est pauvre. Nous rentrons, nous ministres là pour matin pour nous dire faut que nous soyons plus attentifs à monde qui peut démunir. Faut monde qui désœuvre, monde qui n'a rien à faire, yo vient de moins en moins. Et c'est pour ça, malgré le gouvernement ça a priorité par les faits élections, nous pensons que pour que nous allions vers un climat d'élection, il faut que bon minimum nous faire au peuple. Donc nous venons ici là dans le ministère ça pour nous dire nous allons travailler, nous allons pousser les manches, nous allons présents, nous allons faire service. Les gens qui sont pauvres, nous ne pouvons pas prendre un sac dans la bouche en plus. Le gouvernement ça va faire tout ça capable pour combattre la corruption. Pour que le nous baille un bagaille, que le bagaille arrive à terre, que le bagaille arrive en l'air. Nous avons un pile de responsabilité, c'est aussi, en particulier, nous sommes Premier ministre et en même temps ministre des Affaires sociales. La difficile pour nous présent au jour le jour dans le ministère des Affaires sociales. C'est peut-être ça, nous choisis un chef de cabinet. Un monde que nous connaissons, que le monde qui peut devenir, ses préoccupations par là. Un monde qui travaille avec moi pendant des années et que nous avons fait confiance que nous sommes capables de présence avec nous au quotidien. Tout ça l'a dit nous, c'est à non, non pas. Et tout ça l'a fait au nous, c'est à en non pas moi et me fait totalement confiance. Maintenant, nous avons bonheur. On a installé Paul Henri Voltaire. C'est un homme de conscience, c'est un homme d'engagement et un monde qui me fait totalement confiance. Donc, bienvenue dans le ministère, puisque tu es chef cabinet déjà, dans le ministère ça. À toi. Excellence, docteur Henri, Premier ministre. Le ministre des Affaires sociales et du Travail, Monsieur le Directeur général du ministère des Affaires sociales,
mesdames, messieurs les directeurs, fonctionnaires, cadres et employés du ministère, mesdames, messieurs, tout d'abord, je tiens à remercier Dieu de m'accorder le privilège de servir mon pays à un moment où, à l'échelle planétaire, une crise sanitaire fait rage. Ces mêmes remerciements, je veux bien l'adresser au Premier ministre pour avoir jeté son dévolu sur mon auguste personne à ce poste de confiance et de haute responsabilité. Après avoir prêté mes services pendant plus de 30 ans dans l'administration publique, le devoir m'appelle encore une fois pour mettre mon expérience au service du ministère des Affaires sociales et du travail comme directeur de cabinet. Excellence, je vous promets d'ores et déjà de me conduire comme un serviteur public loyal sous le parapluie de la Constitution, de la loi régissant l'administration centrale de l'État et celle portant organisation et fonctionnement du ministère des Affaires sociales et du travail. Aussi, consacrerai-je toute l'énergie dont je suis capable et je le ferai sans aucun esprit partisan. Je reste persuadé qu'avec le concours inconditionnel de mes collaborateurs, la tâche ne sera facile pour un véritable redémarrage de la machine administrative. C'est un défi que j'accepte volontiers. Dysfonctionnel depuis plus de 2 ans, le moment est venu pour remettre la pendule à l'heure. Telle est la tâche principale à laquelle nous allons nous appeler. Il s'avère important, Monsieur le Premier ministre, d'attirer votre attention sur le fait que le ministère, durant ces derniers mois, se trouvait dans l'impossibilité de répondre aux sollicitations des usagers en raison de nombreux actes de brigandage, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du ministère, ce qui nécessite de gros fonds et sérieux aménagements au triple point de vue institutionnel, structurel et infrastructurel. Mesdames, Messieurs les fonctionnaires et cadres du ministère, je compte sur votre sens de collaboration et de compréhension sans faille et sans déclin pour trouver les équations nécessaires de manière à remettre le ministère sur pied. Nous avons tous l'obligation de réussir. La solution, on la trouvera ensemble ici, mais pas dans les rues. C'est dans cette voie qu'il faut s'engager. Mettons-nous au travail. Monsieur le directeur général, content de vous retrouver à nouveau sur mon parcours administratif. Je vais travailler avec vous, tout près de vous, plus près de vous, dans l'objectif d'étudier ensemble les problèmes, de déterminer ensemble les priorités et de trouver ensemble les actions à entreprendre à court et à moyen terme. Car il paraît anormal, Monsieur le DG, que les portes d'une institution à vocation sociale soient fermées tout ces temps-là. Ensemble, formons un faisceau inexpugnable pour que l'ordre et la discipline l'emportent sur tout le reste. Cela dit, il faut inéluctablement, inexorablement, envisager dans l'immédiat un dialogue pour mettre fin aux hostilités, à l'indifférence, au désordre administratif, pour engager un dialogue ouvert et organisé, non seulement avec les directeurs et les coordonnateurs, mais aussi et surtout avec les employés, les contractuels et le syndicat. Il nous faut donc renverser les barrières qui nous séparent, sortir du mutisme et de la méfiance pour nous lancer dans un échange fraternel. Puisse Dieu me couvrir, m'inspirer et me guider dans l'accomplissement de ma tâche. Bonne besogne. Merci.
Avant de rentrer d'emblée dans la politique là, et nous connaissons aujourd'hui son gros date lié dans l'histoire politique du pays d'Haïti. Aujourd'hui c'est 28 juillet 2015, aujourd'hui a fait 106 ans depuis que porte impérialiste là nous te mettel sous coup le haïtien. Mais là ça nous là pour triple signification, non seulement pour nous rappeler la jeunesse haïtienne qui ça date ça y est dans anal politique nous, et deuxième bagaille pour nous rappeler ensemble de massacres qui fait dans le pays d'Haïti, en particulier le dernier massacre qui fait l'an Delma 32 et Christoua. Parce que la population haïtienne, depuis environ 10 ans, c'est de massacre en massacre qu'elle a vécu chaque jour, chaque semaine depuis le pouvoir régime PHTK, en particulier sous Kekena Jovenel Moïse. Nous, là, aujourd'hui, avant tout, pour nous célébrer la vie, tout le monde sait, pour nous dire que nous vivons parmi nous. C'est ça qui est coulé, ça qui a servi de engrais pour nous capables de continuer à faire bataille. Là. Troisième signification pour nous, aujourd'hui, après 11 mois depuis que vous avez assassiné bâtonnier l'ordre de Port-au-Prince, M. Doval. Nous, là, aujourd'hui, pour nous célébrer la vie, M. Doval, pour nous faire songer, pour nous parler avec avocat, avec juge, avec système judiciaire, là, pour nous dire, les gens qui t'ont mené, et mes pouvoirs, régime PHTK, pouvoir Jovenel Moïse, là, joute là, t'es assassiné. Et mais, c'est l'optique ça qui fait nous là, et je pense que nous avons profité de l'opportunité ça là, pour nous demander acteurs politiques, différents pôles politiques, société civile là, qui en pour parler avec tout pôle politique, pôle politique qui en pour parler, qui ont doté le pays à d'un accord politique, côté que nous capables de servir, capables de rejoindre un président provisoire et capables de reprendre revendication population, à savoir procès massacre, procès début procès Petro-Caribé, à savoir transition de rupture, à savoir la mise en place pour capable retirer la population haïtienne, la misère, la pauvreté extrême que lui en particulier, les gens qui sont dans le quartier populaire. Et ça fait exhorter pour faire le pressé. Et nous remercions tout le fait que aujourd'hui a été supposé qu'on assise, le fait que nous avons fait événement ça dans Delma 32, yo doté de sagesse pour reporter à 6 ans pour demain ou pendant le week-end. Et nous avons exhorté pour aller rapide pour nous capables de doter le pays de un gouvernement provisoire parce que le gouvernement là, nous ne savons pas qui ça dit. Nous connaissons Ariel qui est nommé, mais reste pour nous, nous ne connaissons pas sur quelle base Ariel choisit. Parce que pas aucun accord qui mette les gens dans le pouvoir public du pays d'Haïti. Parce que, pas oublier, nous parlons de la Constitution. Et mais là, on parle de la Constitution, dans l'illégalité. Et mais là, dans l'illégalité, il faut changer ça, la légitimité. Et mais ça, pour la légitimité à ces peuples-là, c'est représentant peuple, le monde qui représente un peuple, le fait que le Parlement est dysfonctionnel, et ce sont les secteurs politiques progressistes et la société civile est progressiste. Dans les pays, il y a deux rapports politiques pour accoucher avec le président provisoire. Les dit que ça, pour nous, les connaît 7 février 2022, nous devons installer les scènes comme président provisoire. Est-ce que ça veut dire que nous passons dans les 4 batailles? Non, nous devons installer les scènes 7 février 2022. La société politique, la société civile progressiste et les différents pôles politiques progressistes ont désigné le président Mécène Jean-Louis pour remplacer Jovenel Moïse, mais nous ne pouvons pas nommer. Il y a une différence entre nommer et désigner. Ça a eu les transitions de rupture là pour capable retirer la population haïtienne. Dans la situation difficile. Après plus de 20 jours, le président n'a pas existé d'abord. Est-ce que nous devons nous représenter parce que je dis là, nous sommes pas dit, l'État dans la rue, l'opposition n'a pas montré agressif.
l'exécutif n'a pas montré, n'a pas fait rien. Fait que ça dit nous. Il y a un pile avancé qu'a fait. En pile avancé, et ça me saute tout ça. Hier, on connaît des rencontres, différents pôles politiques. Et société civile là, et les rencontres, parce que n'y a pas avancé. Et ça fait nous sommes exhortés pour aller plus rapide pour le week-end n'a pas passé, pour ne pas doter le pays à peuple haïtien d'une vraie proposition, une proposition qui relate une vraie revendication de la population haïtienne avec des hommes et des femmes. Et responsable, des dirigeants responsables pour aller dans le pays, pour capable mener le pays. Nous toujours d'accord pour ces mécènes qui viennent mener la transition. Bon, le président mécène lui-même, il a toujours dit que pas de sacrifice qui est trop grand pour faire pour le pays. Et pas oublier là, nous avons notre dynamique. Si ces différents pôles politiques avec société civile sont encore une fois désignés président mécène, ben c'est bienvenu. Mais à partir de l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse, nous avons l'autre dynamique politique parce que la politique est dynamique et évolutive. Il y a pile voix qui est fait pour le sénateur Joseph Lambert. Nous-mêmes dans le secteur démocratique. Oh, Chadbelbo. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire promotion. Monde, c'est sa majorité, différents pôles politiques. Moun yo désigné là, ou bien la structure qui est désigné là, depuis la majorité là. Et accepter, le peuple haïtien accepte, nous avons un problème dans la marche de Ça fait 106 ans depuis que blanc américain était débarqué là. Et bien c'est une façon pour nous capables de rendre hommage avec ensemble des camarades qui étaient contre bataille, qui étaient contre gourmet, pour bien-être, pour respect de l'amour et pour nous dire tout avec la jeunesse. Ensemble des gens qui sont là aujourd'hui, l'autre dit parlementaire, ou dit voyou, ou dit délinquant, l'autre dit ministre, ou dit kidnappé, ou dit délinquant, ou dit voyou. Mais dans tant longtemps, l'autre parlait des gens, ou te parlait des sommités, ou te parlait des gens qui étaient valeurs dans ce monde.